Bonsoir et merci de nous suivre depuis l'aire d'exposition de la 18e Semaine nationale de la culture. Ce soir, l'émission s'est écrite, se veut un peu sentimentale avec un jeune auteur, Lassane Dianda. Lassane Dianda, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de venir parler de votre roman, L'institutrice, mon amour, publié aux éditions Articom. Oui, L'institutrice, mon amour, c'est votre première œuvre. Oui. Mais je rappelle d'abord que vous êtes attaché d'éducation au lycée départemental de Koumbia, c'est dans la région des Haut-Bassin. Vous êtes également diplômé de littérature option critique littéraire de l'université de Ouagadougou. Et l'institutrice Mon Amour, je l'ai dit, c'est votre première œuvre publiée. Vous y racontez l'histoire de Lamine, un étudiant en lettres qui s'amourache de Nouria, une institutrice de brousse. Et lorsque je dis institutrice de brousse, ce n'est pas préjuratif, c'est l'institutrice qui sert en campagne. Les deux décident de vivre leur amour en dépit des vicissitudes, pour ne pas dire des péripéties, qui vont te survenir sur leur chemin. Oui, c'est ça. Donc, l'institutrice, mon amour, c'est mon premier roman. J'y raconte l'histoire de Lamine qui est allé voir son oncle dans un village, son oncle est catéchiste. Léopold. Léopold. Et il rencontre une institutrice du nom de Nouria Ouédraogo, de qui il tombe amoureux. Bon, l'institutrice en question, c'est une personne qui a connu un passé pas rosé du tout. Donc, sa vie a été rocambolesque. Elle profite de l'histoire d'amour pour raconter ce qui s'est passé. Voilà. Et finalement, les deux troutreaux prennent la décision de vivre maritalement. Oui, c'est ça. Après que Nouria soit tombée enceinte de Lamine. Oui, oui. Bon, ils ont décidé d'avoir un enfant un soir. Bon, ils ont fait une marche à travers les collines. Ils se sont assis sur un rocher et ils ont marivaudé là-bas. Bon, ils ont décidé ensemble d'avoir un enfant. Parce que l'institutrice ne voulait pas laisser passer l'occasion parce qu'elle aimait tellement Lamine que l'occasion était belle pour elle d'avoir un enfant de lui. Et finalement, Lamine arrête ses études et décide de se consacrer à sa future famille en faisant la vacation à Théma, un des lieux imaginaires de votre roman. En fait, c'était une hypothèse qu'il a prise. Il n'a pas fait la vacation, c'était une hypothèse qu'il a prise. Puisqu'il y avait un dilemme entre repartir à l'université et rester avec l'institutrice. Mais finalement, il n'y a pas eu de choix. C'est l'interrogation qui est restée. Puisqu'il s'est demandé, est-ce qu'il va arrêter les études et rester avec l'institutrice ou bien va-t-il repartir à l'université? Il y a un autre choix qui se présentait. Il s'est demandé, est-ce qu'il ne va pas être professeur vacataire à Théma et puis rester avec l'institutrice? C'est une question qui est restée posée, à laquelle il n'y a pas eu de réponse. Quoi. Oui, finalement, le lecteur se sent perdu lorsqu'on lit la fin de votre roman. En fait, c'est une fin que j'ai voulu ainsi parce que je ne voulais pas garder... puisque généralement, les gens ont un dénouement à peu près standard. Et moi, je n'ai pas voulu continuer sur cette lancée. J'ai voulu impressionner mon lecteur. Voilà ce que j'avais voulu. Donc, j'ai voulu rompre avec la monotonie. Quoi. En fait, c'est une fin que j'ai faite expressément. Voilà, c'était pour émouvoir mon lecteur. Oui. Voilà. Nouria, vous l'avez dit, a eu un passé assez... rocambolesque, assez compliqué. Oui. D'abord, elle est née orpheline. Ouais. Et ensuite, quelques années plus tard, elle a connu une vie difficile. Oui, c'est ça. Et ça, c'était dans un pays voisin. Oui, en Côte d'Ivoire. Bon, puisque bon, son papa était planteur en Côte d'Ivoire et sa maman y est décédée. Elle a été confiée à une tante qui, malheureusement, était une mégère, qui n'était pas gentille. Mais à un certain âge, ses parents sont venus la récupérer et elle a continué les études chez eux. Et c'est à un moment maintenant que la maladie s'est déclenchée. Puis c'était des maladies de génie. Et un soir, bon, elle est allée avec sa camarade puiser de l'eau. Elle est revenue, en revenant, elle est tombée comme un arbre qu'abat un forgeron. Elle n'a pas trébuché, elle n'a pas glissé, elle est tombée ainsi. Et c'est de cette manière que la maladie a commencé. Et étant en Côte d'Ivoire, ils ont consulté un certain nombre de guérisseurs, de charlatans. Qui ne sont pas arrivés à bout de la maladie de Nouria. Oui. Et finalement, les parents décident que Nouria rentre au pays pour mieux se soigner. C'est ça. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire et c'est ce qui se passe, que j'ai essayé de raconter. Finalement, les parents, quand ils tombent malades, automatiquement, c'est au pays qu'ils viennent, puisqu'ils n'ont pas confiance aux tradis praticiens, aux médecins qui sont en Côte d'Ivoire. Du fait même qu'ils soient des étrangers là-bas, on a tendance à les exploiter, à les piller. Et même au niveau traditionnel, là, c'est ce qui se passe. Certains même dont les plantations ont été confisquées parce que simplement ils ont voulu se soigner. Donc plusieurs fois, les gens, quand ils tombent malades, automatiquement, c'est au pays qu'ils viennent. Je trouve que la médecine, là, on prend plus au sérieux le traitement des gens, et puis aussi au niveau traditionnel, là,
les guérisseurs sont beaucoup plus aguerris. Donc ils ont toujours un attachement au pays malgré qu'ils soient à des milliers de kilomètres. Malgré qu'ils soient à des ils sont de leur zone là, malgré qu'ils soient où ils sont en Côte d'Ivoire là, ils ont tendance à venir au pays. Oui, et Nouria, une fois rentrée au pays, va continuer son chemin. Oui, elle va continuer les études. Malheureusement, à un certain moment, la maladie est revenue, puisque quand elle est arrivée, la maladie s'est un peu rangée, elle ne lui rendait pas visite. Mais à un certain moment, la maladie est revenue. Quand elle allait à l'école, elle tombait en syncope. Elle était victime vraiment des railleries, puisqu'il y avait les élèves qui s'attroupaient pour la regarder, puisque c'était quelque chose d'inhabituel, quoi. Et à un certain moment, elle a dû abandonner les études parce que c'était devenu plus grave. Et bon, petit à petit, bon, on faisait les soins, malgré cela, ça n'allait pas. C'est ça. Et parallèlement, vous racontez également l'histoire de Lamine, le héros du livre. Lamine, l'étudiant en lettres, qui également a connu un peu une vie similaire. Lamine a perdu sa maman. Sa maman. Oui. En fait, son papa est vieux, bon, il n'arrivait plus fébrile, à travailler. Voilà, fébrile, il n'avait pas de force. Non, il était le seul espoir de son papa, quoi. Donc, à un certain moment, il y a un dilemme qui se posait entre, comme je l'avais dit précédemment, entre repartir à l'école, continuer pour pouvoir sauver son papa, qui est devenu fébrile, qui n'a pas la force pour travailler, ou rester avec l'institutrice auprès de qui il vit une extase. Oui. Et on le voit, on a comme l'impression que le narrateur raconte l'histoire en fonction d'un certain nombre de vécus, oui, mais des vécus qui lui sont propres. Oui. Il est orphelin, il a un manque d'affection quelque part. Oui, il a un manque d'affection. Comme on dit, l'amour c'est l'essence de la vie. Sans l'amour, la vie ne vaut rien. Donc du fait même qu'il a été orphelin, on sent qu'il y a un manque quelque part. Donc dès lors même qu'il a vu l'institutrice, il s'est épris d'elle. Donc on pourrait dire que quelque part, il y a un manque sentimental qui est là. Donc, voilà. Au départ, ce n'était pas aussi gagné d'office. Arrivé à Yaké, oui, le village de son oncle Léopold, ouais, c'est ça. Il va un jour à la chasse et il ramène un perdrix. Une perdrix, et oui, finalement qu'il offre un cadeau à l'institutrice. Parce que pour lui, c'était une façon de renforcer la relation. Puisque la première fois, ils s'étaient rencontrés avant, dans le cas, mais ils ne se connaissaient pas. Ils ne savaient même pas que l'institutrice était du village où il allait. Et maintenant, il y avait un jour, il aimait la lecture. Et il était en manque de livres. Il se demandait où est-ce qu'il pouvait trouver un livre pour passer le temps. Donc c'est ainsi qu'il est allé chez l'institutrice pour voir s'il pouvait avoir un livre. Effectivement, il a eu le roman, le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. Et c'est par là que tout a commencé. Et ensuite, lorsqu'il est parti un jour à la chasse, il lui ramène une perdrix. Et puis finalement, c'est le début de leur idylle. Oui, c'est ça. En plus, bon, il lui a donné la perdrix et l'institutrice a demandé à ce qu'il revienne pour qu'ils partagent ensemble le repas, quoi, puisque elle allait faire un potage. Et quand il est revenu, voilà, c'est ainsi que ça continue. Et puis... Au départ, quand on regarde, il y avait un certain nombre de doutes, d'incertitudes qui habitaient Lamine, mais finalement qu'il a su vaincre pour aller vers l'objet désiré, oui, l'objet convoité. Oui, bon, généralement quand on va vers une fille, on a déjà le cœur qui bat comme un vieux moulin, c'est pas facile. Parce qu'on se demande comment est-ce que la personne va... Ça vous est déjà arrivé? Plusieurs fois. Bon, on ne sait pas comment la personne va réagir, quoi. Donc il y a l'émotion qui est là, on n'arrive pas à se maîtriser. Bon, souvent même la personne n'est pas compliquée, mais du fait même qu'on a déjà une idée sur elle, donc ça fait qu'on se retient, quoi. Et en dehors de l'amour, il y a aussi d'autres thèmes qu'on peut relever dans votre roman. Oui. La maltraitance des orphelins. La maltraitance des orphelins, la situation des enfants placés chez des tuteurs, généralement ceux qui sont venus de Côte d'Ivoire. Et aussi la condition des femmes. Les femmes qui sont maltraitées, les femmes qui sont battues. Et l'irresponsabilité de certains hommes dans le foyer, des hommes qui abandonnent leur famille. Et pour vous, en mettant le doigt sur cet art, en mettant le doigt sur ces problèmes sociaux qui vivent les populations souvent au quotidien, et c'est une façon de dénoncer, que l'écrivain se place dans une position de dénonciateur, de pourfendeur de ses vices. Non, puisque Aimé Césaire a dit que l'écrivain, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Il appartient à l'écrivain de dénoncer ce qu'il voit. Il doit montrer aux yeux de la société pour que si on a la possibilité ou si on peut arranger qu'on le fasse, parce qu'il y a des situations qui sont difficiles que les gens vivent. Donc il appartient à l'écrivain de montrer ces situations-là pour qu'on essaie ensemble de trouver une solution. Donc l'écrivain, son rôle, c'est dénoncer, montrer les réalités du peuple et aussi se placer, divertir, en quelque sorte, je veux dire, divertir aussi le lectorat.
Donc, si je vais, pour résumer, je vais dire que l'écrivain, c'est le porte-parole même du peuple, quoi. Et donc, vous, en tant que romancier ici, à travers l'institutrice Mon Amour et les thèmes que vous évoquez, vous voulez vous placer comme le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Bon, moi, en tout cas, tout ce que je vois, j'essaie de dire pourquoi ensemble, si on peut trouver une solution, qu'on le fasse. Par exemple, récemment, je lisais un livre de Harriet Beecher Stowe qui a écrit La case de l'oncle Tom. Parce que c'était un livre, puisqu'elle vivait les maltraitances même des esclaves aux États-Unis, des esclaves qui étaient méprisés, qui étaient battus, qui étaient lynchés. Et c'était une blanche, mais elle a écrit sur la vie des esclaves là. Et le président Abraham Lincoln, quand il l'a vu pour la première fois, il a dit, il s'est exclamé. Il a dit, ah, c'est donc cette petite femme qui mène cette grande guerre. Donc pour moi, c'est montrer aux yeux de la société, ou montrer aux gens, pour ceux qui ne savent pas, les réalités que je vois, voilà, pour qu'ensemble, bon, s'il y a des solutions à trouver, qu'on le fasse. Oui. Il y a également, vous l'avez dit, la situation des élèves de la diaspora placée chez des tuteurs ici. Et en le décrivant, en racontant un peu les misères et les malheurs qu'ils vivent, pour vous, vous estimez qu'il faut que ça cesse? Oui, il faut que ça cesse. Parce que généralement, quand les parents ne sont pas informés de ce qui se passe en réalité, ils disent que c'est un cousin, c'est un ami, et ils viennent laisser l'enfant sans, bon, en comptant, parce que pour eux, on leur dit que les enfants sont bien traités, alors qu'en réalité, c'est très difficile. Beaucoup même sont obligés d'abandonner pour repartir s'échiner dans les plantations en Côte d'Ivoire. Beaucoup sont revenus, sont repartis, parce que les conditions ne sont pas du tout ça. C'est ce qu'on dit, quoi. Donc, il aurait fallu peut-être rester de l'autre côté? Bon, peut-être. Passer auprès des parents, là, ils auront l'affection et puis vraiment le traitement qu'il faut, bon, pour leur réussite. Parce que souvent, certains, là, quand ils viennent, ce n'est pas du tout facile. Et vous êtes un grand défenseur des femmes dans le livre. Oui, c'est ça. On voit que le narrateur se pourfend chaque fois à dénoncer tout ce qui est condition peu digne de la femme, tout ce qui peut être traitement mauvais et inhumain de la femme. Il y a des femmes qui sont battues à longueur de journée. Il y a des femmes qui meurent en couche parce qu'on n'a pas pris soin d'elles. Il y a des hommes aussi dont vraiment le titre d'homme là ne se résume qu'au port du pantalon. Ils n'assument pas leurs responsabilités. Et pour moi, vraiment, ça me choque, quoi. Mais les femmes portent du pantalon aujourd'hui. Bon, les femmes portent des pantalons, mais c'est l'homme. J'ai compris l'image. Allez-y. Oui, voilà. L'homme doit franchement aider la femme parce que la vie de couple là, c'est une entente, c'est une union. Il y a des hommes qui n'assument pas leur tâche, quoi. Le couple. Et pour moi, vraiment, c'est quelque chose de regrettable. On va parler des personnages de votre roman. Il y a d'abord Lamine, oui, qui est l'étudiant en lettres, le citadin, oui, qui va retrouver son oncle à Yaké, c'est ça, une bourgade, un village, et qui transporte en même temps un certain nombre de comportements du citadin au village. Et il continue toujours à lire, oui, il continue toujours à avoir les mêmes réflexes qu'en ville. Bon, puis c'est un grand lecteur. Dans le roman, même quand on voit, c'est quelqu'un qui aime la lecture. La lecture, c'est une passion pour lui. Donc, quel que soit le milieu dans lequel il est, il essaie toujours de continuer cette passion-là. Parce qu'à un certain moment, lorsque ses livres sont finis, c'était la nuit qui avait commencé à l'habiter. Donc, c'était une habitude pour lui de lire, quoi. Donc, il ne pouvait pas s'en passer. Si bien qu'à un certain moment, quand il n'avait plus de livres, il a été obligé de... Il s'est demandé où est-ce qu'il peut trouver un livre dans le village pour s'évader. Parce que sans les livres, il savait que son séjour serait abrégé. Donc c'est dans cette lancée-là, sous cet angle-là, qu'il est parti voir l'institutrice. Et pour vous, la lecture représente quoi? Est-ce que c'est juste un accompagnateur de l'ennui, de l'humain, de l'intellectuel, de celui qui sait lire, ou simplement la lecture donne sens à la façon de voir le monde, à la façon de comprendre le monde? La lecture nous ouvre sur le monde. Quand on lit, on se sent évadé. Ça, c'est déjà un divertissement. Il y a un côté ludique. Et on lit pour se former. Parce que la connaissance se trouve dans les livres. Et on peut pas se passer. Bon, quelqu'un qui est allé à l'école, en tout cas, on ne doit pas se passer du livre. Parce que c'est le livre qui peut éduquer, quoi. Le livre peut éduquer. Parce que dans les livres, là, on découvre des choses intéressantes, hein, qui aident à notre épanouissement. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, la lecture est forcément... La lecture a toujours sa place. Avec la technologie de l'information, généralement, ce sont les divertissements. Même au niveau de la technologie de l'information dont vous parlez, souvent, ce sont les passages de livres, hein, qu'on essaie. Ça veut dire que le livre a toujours sa place. Et puis même le contact qu'il y a entre
l'ordinateur et le livre n'est pas le même. On se sent vraiment plus vivant dans le livre que dans l'ordinateur. Et moi, je pense que le livre, même dans 1000 ans, le livre aura toujours sa place. Le livre a toujours sa place. Sa place, oui. Il y a également Nouria, l'institutrice, oui. L'amour de Lamine. Oui. Nouria, qui a priori également a vie au village, mais oui. qui n'a pas forcément les comportements des femmes du village. Et généralement, même quand les gens arrivent dans certains villages, bon, ils sont catégorisés. Généralement, je dis qu'elle avait une amie qui partait aussi des repayages, qui souvent venait régulièrement chez elle. Mais à un certain moment, elle avait arrêté de venir parce qu'elle se disait qu'il fallait qu'elle elle pense à elle-même. Parce que c'était une femme fonctionnaire qui ne connaissait pas la pauvreté. C'est ce que j'ai eu à dire dans un passage. Son comportement, bon, vu même son niveau d'instruction et puis bon, celui des villageois, entre elles, généralement les enseignants, quand ils arrivent dans un coin, ils ont tendance à se mettre de côté. Quoi. S'ils sont en groupe, là, ils se retrouvent pour poser, pour discuter. Mais généralement, quand ils sont sur ces quatre. Quoi. Autour de ces personnages, nous avons un certain nombre de réalités oui. d'une Afrique qui se cherche, oui. d'une Afrique qui cherche sa voie dans le développement, mais aussi une Afrique qui cherche ses repères dans le présent. L'étudiant en lettres qui a connu des mésaventures, qui est dans une situation un peu plus précaire. Oui. Lorsque vous racontez dans le livre l'histoire de Lamine, où il est à l'université, où les années, on ne sait même plus à quelle année on en est, avec l'université avec tous ses problèmes. Oui. Ensuite, Nouria également, cette institutrice en marge de la société, et Balou également, ce drépanocytaire. Mais Balou, dans le livre, quand Balou, c'est un modèle dans le livre. Bon, même bien qu'ils vivent des situations difficiles, ils ont été à un moment aller fabriquer des briques pour avoir de l'argent et manger. Et ils avaient trouvé des briques qui étaient confectionnées. Et il y a Lamine qui a demandé à ce qu'ils arrosent ces briques-là pour dire que ce sont eux qui les ont confectionnées. Balou, au début, n'a pas voulu accepter parce que c'était quelqu'un de digne, quelqu'un d'honnête, quoi. Et c'était quelqu'un vraiment de combatif. Malheureusement, vu qu'il était malade, c'était difficile. Il était pessimiste. Il disait qu'il savait qu'il ne pouvait pas être libéré parce que beaucoup de soins lui ont été administrés, malheureusement, sans suite. Et c'était quelqu'un de très pessimiste. Il disait qu'il allait mourir. Et ce qui ne plaisait pas forcément à son ami. Parce que c'était son ami intime. Ils étaient presque des frères. Voilà, et vous y décrivez un peu la scène de sa mort, oui. qui était vraiment choquante. Franchement, cette partie, j'ai voulu brosser une réalité que j'ai vécue parce que le 27 décembre 2003, j'ai perdu, l'enfant de mon tuteur est décédé. Et ce que je raconte, je dis qu'on m'a envoyé, on a envoyé Lamine aller chercher des médicaments pour soigner l'enfant. Et quand il revenait, il a croisé un rapalmiste. Et il est arrivé trouver qu'il y avait un enclos qu'on avait fait. Et il y avait le corps de Balou qui était en train d'être lavé. Franchement, c'est une situation que moi j'ai vécue. Voilà, j'ai essayé de, comme l'écrivain, il met les ingrédients de sorte à pouvoir, comme s'il préparait un mets. Donc, j'ai essayé de greffer cet épisode-là à l'histoire de Balou. Et pour vous, écrivain, quelle est la limite entre la fiction et la réalité? Bon, il n'y a pas tellement de limites, parce que ce que j'ai dit même en avertissement, l'écrivain ne peut pas totalement dissocier sa vie souvent de celle de ses personnages. On s'inspire de la réalité pour construire la fiction. On ne peut pas, purement fictionnel, c'est pas possible, purement fictif. Il faut toujours, puisqu'il faut que ce soit vrai. Donc, on est obligé souvent de voir au niveau de la réalité pour pouvoir construire le récit, quoi. Sinon, ça ne serait pas tout à fait bien vu. Et dans votre écriture, on le voit, il y a un narrateur, oui. Lamine, oui. qui raconte l'histoire de bout en bout. Oui. Et une histoire qui n'est pas racontée de façon linéaire. Oui. On a des flashs, des flashs. Retours oui. Sur des événements, oui. et de sorte à garder l'éveil du lecteur. En fait, c'était pour beaucoup plus donner du poids à l'intrigue. Je raconte cette histoire, le narrateur raconte, et on revient en arrière pour tenir vraiment le lecteur en haleine, quoi, pour lui cacher certaines choses qu'il veut découvrir. Parce que l'intrigue, là, il faut que ce soit fort pour pouvoir maintenir concentré le lecteur. Et il y a aussi votre temps de l'histoire. L'histoire en elle-même n'est pas assez longue, mais quand on est... vous comprends pas, on a comme l'impression que l'histoire s'étend sur des éternités. Alors que ce n'est pas le cas. Non, c'est juste, j'essaie de jauger
aller en arrière, revenir. Voilà, sinon, en réalité, l'histoire même de l'amour, même, l'histoire de la relation, même en quelque sorte, ne doit pas dépasser 7 à 8 mois. Mais comme il y a un flashback, on raconte l'histoire antérieure, on a comme l'impression que c'est quelque chose. La durée est très longue. Et vous aimez beaucoup les descriptions. Vous avez le sens du détail. Pas tout à fait. Mais peut-être c'est votre compréhension, votre appréhension. Vous aimez, par exemple, lorsque on vous voit dans la gestion du temps, vous avez comme une sorte de hantise de la gestion du temps. Vous parlez des heures précises. Comme si pour dire que, bon, l'homme, il doit courir toujours derrière le temps. Le temps, il est important. Il faut savoir mesurer le temps pour construire ce que l'on veut faire. Si on ne maîtrise pas le temps vraiment, on pourrait ne pas réaliser les choses qu'on veut. Il faut maîtriser le temps. Le temps est important dans la vie de l'homme. Et je parle beaucoup plus du temps parce que, vu que c'était un citadin qui avait un certain nombre de passe-temps en ville, quand il arrive au village, bon, c'est comme si c'était un dépaysement. Donc, ce qui fait que, vu qu'il s'ennuie, bon, il a tendance à beaucoup plus voir le temps, beaucoup plus calculer le temps, quoi. D'accord. Je disais que vous avez cette obsession du détail. Dès les premières lignes du livre, la vieille guimbarde taradante avançait pitoyablement. Elle roulait si nonchalamment que nous nous demandions si nous arriverions à temps. Le chauffeur, lui, ne s'en préoccupait pas. Il préférait rouler doucement pour ne pas abîmer son taco. Bien que la route soit bien bitumée, nos vêtements étaient tout rouges de poussière. Et cela à cause de la négligence du chauffeur et de son apprenti. Et ils n'avaient même pas daigné nettoyer leur siège vétusté avec l'embarquement. Donc c'est comme si, en fait, vous ne laissez pas le choix au lecteur de comprendre que la situation, elle est aussi claire et limpide. Moi, ça peut être confus. Moi, je veux qu'il voit. Donc, je vais dépeindre comme un tableau qu'un peintre est en train de peindre. Voilà, c'est mon souci, quoi. Je ne sais pas si c'est une qualité ou c'est un défaut. En fait, c'est l'expérience que moi j'ai que je veux participer. Quand moi j'écris, je veux donner le maximum de plaisir à mon lecteur, quoi. Et souvent, je me remets en cause. Est-ce que cela va plaire? Donc, je reviens, je fais un toilettage, je reviens encore là-dessus. Donc, c'est ce souci qui amène souvent à avoir de tels détails. Voilà. Lassane Dianda, est-ce que vous avez des projets après l'institutrice Mon Amour? Actuellement, je suis à mon... J'ai 4 manuscrits qui sont déposés, qui attendent d'être publiés. Et mon souci, c'est être prolifique, pouvoir publier au moins une ou deux fois dans l'année. C'est mon souci, parce que la littérature, c'est ma passion, franchement. Et j'écris pour me libérer, quoi. Donc, quand j'ai la possibilité d'écrire seulement, je le fais. Quel moment vous écrivez? Généralement, moi, je n'ai pas... presque tous les trois livres, les quatre livres dont je vous parle, il y a un que je suis en train d'écrire actuellement. Je lève plus parce que moi j'étais coiffeur. À Baradougou, quand je n'avais pas cours à l'université, j'avais un hangar au bord de la route, au quartier Kilouin, et c'était là-bas que j'écrivais à tout moment. Chaque jour, je me levais avec une ou deux feuilles et j'essayais de miser, faire le maximum pour pouvoir remplir ces feuilles-là. Sinon, bon, ces romans-là, franchement, ce n'est pas actuellement que je les ai écrits. Mes premières productions datent de 2008. J'ai commencé à écrire mes romans en 2008 et 2008 en 2010. Où on peut trouver l'institutrice Mon Amour? Bon, malheureusement, à Baradougou, il n'est pas encore disponible. C'est à Bobo de Lasso ici. On peut l'avoir à la librairie populaire, à côté de la pharmacie Bethel, au secteur 21. Également à la librairie Balaira et Frères. Oui, à la librairie Balaira et Frères. Aussi au niveau de l'INEP. Il y a une petite librairie au niveau de l'INEP et celle de l'École nationale de santé publique. Lassane Dianda, merci d'être venu nous présenter votre premier roman publié, L'institutrice Mon Amour. Merci. Je rappelle que c'est une œuvre publiée aux éditions Articom. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour ce numéro de cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à une très prochaine pour un autre numéro. Au revoir.